un match de national, un match où les deux équipes pouvaient gagner. On a un premier mi-temps un peu dans un faux rythme. On n'a pas mis de riz assez de riz, donc c'était un match un peu bizarre, sous un faux rythme. Et puis on s'est fait piéger sur une erreur de notre part. Et voilà, un match national. On a vu après le rouge, même avant d'ailleurs, c'était tendu. Qu'est-ce qui vous a manqué pour peut-être accrocher une victoire ici? De mettre un peu plus de rythme en première mi-temps. Parce que sinon, ils jouaient sur un faux rythme, en fait, ils attendaient nos erreurs, ils étaient bien en place. Et voilà, je pense qu'il fallait qu'on mette plus de rythme pour pouvoir gagner ce match. Et d'un point de vue personnel, du coup, tu as marqué. Comment tu t'es senti, surtout avec quelques supporters qui ont fait le déplacement? On t'a vu les féliciter à la fin? Content pour l'équipe. Mon but, je suis content de marquer, mais bon, c'est surtout pour l'équipe. Parce qu'on a bien travaillé pendant 6 semaines. Le staff et le groupe a fait un gros travail, donc... Commencer la saison par une défaite, c'était un peu dur, donc j'étais content de ramener au moins un point à la maison et content de faire plaisir aux supporters qui sont déplacés et qui nous ont regardés et qui nous ont supportés jusqu'à la fin. Ils attendaient sur nos erreurs, qu'avaient un bon bloc défensif, ils ont fait leur match et je pense que le rouge aussi ne leur a pas aidé, sinon ça aurait été plus compliqué. Mais voilà, si on a eu un rouge, c'est qu'on a aussi été bon et on a su égaliser. C'est un bon point. Surtout à l'extérieur, parce qu'on n'est pas à domicile, hein, c'est à l'extérieur. Donc voilà, il faudra le bonifier la semaine prochaine et lancer le championnat comme il se doit.